Salut tout le monde, épisode numéro 17 de NHL Stanley Cup 93. On va jouer trois autres matchs aujourd'hui. Match numéro 54 qui sera contre les Devils du New Jersey. Donc on débute ça dès maintenant, pas de niaisage. Match qui va avoir lieu du côté de New Jersey. On va essayer d'être plus opportuniste que l'épisode précédent. Parce que l'épisode précédent, disons que les poteaux nous ont donné des cauchemars. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Ça vaut la peine parce que disons que j'ai manqué des affaires que un joueur de 4 ans n'aurait pas raté. Oh, attention. Oh, ça a quasiment glissé dans le filet, ça. Ça a failli bien partir pour nous. Et oh, bonne mise en échec. On dégage ça. Vers le gardien, c'est bloqué. Oh oui, l'attaque est toujours en vie, mais personne ne ramasse le disque. Offside. Ouais, fait qu'on va essayer de marquer plus de buts dans cet épisode-là, mais c'est pas gagné d'avance. Oh, on a bien évité ça. Oh, on va y aller. Échappé. Ah, je savais plus si je devais passer l'autre bord ou tirer, fait que j'ai finalement rien fait. Ce qui est pas la bonne option normalement quand t'as la rondelle comme ça en zone offensive. Rien faire. Apporter des changements. C'était pas le bon moment par contre. Oh oui, il s'est fait accueillir solidement. Juste à temps. On se faufile à travers les défenseurs et on se ramasse sur le derrière. Dans l'enclave. Oh, oh non, un cauchemar encore qui recommence. Oh, j'ai encore pogné un poteau. J'ai le sentiment du déjà vu ici. On va espérer que ça va être le seul qu'on va pogner dans ce game-là. Pas déterrer des mauvais souvenirs d'il y a un épisode. Ah! Merde. Ouf! Là, c'était pas le poteau, mais c'était pas loin. Oh, l'attaque est toujours en vie. Tire de loin. C'est bloqué. Le gardien qui... est solide du côté des Devils. Fait accrocher légèrement là-dessus. Ouais, come on. Oh oui, c'est bien fait ça. Un territoire offensif. On coupe dans l'enclave. Un tir, c'est bloqué. Et ouais, c'était offside ça. T'es pas sûr. Attends, on va y aller avec le premier trio. Encore une minute en première. Toujours l'impasse. 0 à 0. Oh, belle longue passe. Ah! Ça n'a pas trouvé preneur malheureusement. Non, ça n'a pas marché. Ça non plus, ça n'a pas trop marché. Tir de loin, c'est bloqué. Et c'est là-dessus que la période se termine. Avec une belle mise en échec et un tir sur le gardien. Donc, toujours l'impasse après 5 minutes de jeu. On va tenter de briser la glace en deuxième. Passe transversale. Oh, bien fait, mais c'est un bel arrêt du gardien, encore une fois. Mauvaise passe. On est tous pas dégager ça. Venir ça loin du danger. Bonne mise en échec, mais on s'est fait ramasser nous autres aussi. Oh, c'est parti, attention. Attaque. Un tir, c'est bloqué. Et on s'est fait dévisser en même temps. Oh, et puis la clé! Ah! La rondelle est sortie. On va changer nos trios.
Ouch! Je me suis fait ramasser là. Oh, un petit spinorama un peu osé. Comment... Hey, ils sont 4 parqués à bleu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, beau jeu! Ah! Le gardien l'a bloqué. J'avais un trou assez gros devant le filet, puis j'ai tiré sur le gardien qui était déporté à sa droite. Ah ouais, dégage. Oh, belle passe. Oui, accélère, accélère. Go, 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 c'est parti. Ah, arrête du gardien encore. Non, on ne changera pas de gardien, mais on va changer de trio. Je pense qu'il trouve absolument personne. Waouh, il y a deux joueurs qui se sont plantés en même temps avec un snap. J'ai un achievement pour ça. Quand 59 secondes en deuxième, toujours 0 à 0. Et puis, oui, il y a eu un petit peu de chance de marquer, mais moins que lors de l'épisode précédent. Ouf. Là, je savais plus quoi faire, fait que j'ai foncé dans le gardien. C'est la meilleure option que j'ai trouvée. Oh! Dans l'enclave! Ah! Ouais, comment? Maudit. T'es un droit. Ouais, là, il y a un joueur qui est encore à terre dans. Je peux rien faire. Il est encore à terre, il bougeait plus. 3 secondes. Pas mal de temps du face-off, puis. Essayer peut-être un tir de loin, mais. De toute façon, on a perdu le face-off. Donc, après 10 minutes de jeu, toujours 0 à 0. Qui brisera la glace en troisième si une équipe brise la glace? C'est parti pour la troisième. Ouf, on vient d'éviter une mise en échec. Pas celle-là, par exemple. On n'a pas. Est assez rapide. Oh, belle passe. Ouf! Je vais essayer juste d'avancer un peu. Ah, passe dans l'enclave. Une petite passe de trop, j'aurais dû lancer à la place. Quand on y repense, là. Ah! Ou échapper. Une feinte. Si on peut appeler ça une feinte. C'est des changements. On va envoyer le premier trio. Oh, bonne mise en échec. Mauvais espace par contre. Non. Oh, ça regarde bien ça. Oh, que ça regarde bien. Kirk Muller. Captain Kirk. Qui met ça 1 à 0. Suite à une décision douteuse du gardien. M'étonne que j'ai pas pogné de poteau par exemple. Ça aurait pu. C'est bloqué, le retour, Roi fait l'arrêt. Et on est reparti de l'autre bord, on se fait accrocher un peu. Oh, attention. Ah, c'est bloqué. La passe n'a pas fonctionné. Oh! Di Pietro fait 2 à 0. Il me semble que c'est lui, 36 Di Pietro. Paul de son prénom. Et là, le but d'assurance qu'on attendait tous. Avec une minute à faire au match, j'ai envie de dire que le match est dans la poche. Ouch! À moins que Roi s'effondre. Ouh, ouh, ouh! En disant ça, touche le poteau. Ici, bol, là, je joue avec le feu, pas à peu près.
Dégage ça! Bon, merci. Le jeu blanc qui est sécurisé. Tintos, oui. Et c'est une victoire. Oups. Rondelle d'en face pour finir ça. Toujours plaisant. Donc, on commençait avec une victoire. 94 points, 46 matchs. Et là, oh, on joue contre les Nordiques. On joue contre les Nordiques. Un match qu'il faut pas perdre, ça, contre les Nordiques, là. C'est nos rivaux. Oh, belle passe. Ah! Gardien qui est sorti. Bien joué la rondelle là-dessus et le joueur. Ah oui, c'est parti. Ah, je voulais l'attirer pour faire une passe de l'autre côté, mais le gardien s'est avancé trop vite. Et un 2 contre 0, pas de tir au but, là, ça fait dur. Oh, 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 j'ai tiré sur mon joueur. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le cave à passer de même, en avant? Oh, boy, boy. Il n'y en aura pas de facile. Oh, beau jeu! Arrêt du gardien, cependant. Ouais, là, je sais plutôt si c'est hors-jeu ou pas. Fait que m'a sorti la rondelle pour être sûr. De toute façon, on va apporter des changements. Là. Hey, j'ai tiré sur un joueur qui avait un but vide. On aura tout vu. Oh, belle passe. Un tir, c'est bloqué. Encore une 40 à la période. Plaquer surtout pas, là. Et mauvaise passe. Oh, quelle passe. Mais encore une fois, trop proche du gardien. Pour mon slap pass, slap feinte. Me donterai jamais. Un tir. Oh, oh, dans l'enclave. Le gardien qui a bien récupéré rapidement. Et c'est pas mal là-dessus que la première va se terminer, les amis. Encore une fois, 0 à 0. Et voilà, on est parti. Oh, oh, dans l'enclave. Oh, c'est bloqué. Ouch. Hi, hi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Chance qu'ils ont manqué le net. C'était vraiment pas chic. Oh, on est reparti. Oh, arrêt du gardien. C'est reparti pour les Nordiques. Les Nordiques. Oh, un pas pire contact, ça. Oh, belle passe. On coupe entre les joueurs. Un tir, c'est bloqué avec la mitaine. Le retour, autre arrêt. On procède à des changements. Tiens, toi. Oh oh. Mayday, 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 mayday. Oh, breakaway. Bon, là, j'ai eu ma feinte de tir, mais là, j'étais trop loin.
Encore une 47, puis... Oh, 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 ouf! Hey, sérieux, je joue vraiment trop avec le feu, moi, avec mes passes. Je crois que je sois plus vigilant que ça. Eh, hey, c'est parti. Fin de... Oh, je voulais dire fin de tir, mais j'ai oublié le fin de, temps, le fin de tir. Ah! Ouais, il sort de la zone. Et boy, que ça patine lentement, ça. Mais quelle passe, par exemple. Juste dommage que je me sois accroché comme ça se peut pas. Hein. Changement de trio. 40 secondes en deuxième. On garde le suspense à chaque match. Oh, beau jeu, mais arrêt du gardien encore une fois. Vite, vas-y! Ah, passez vite. Donc 0 à 0 après 40 minutes de jeu, soit converti en 10 minutes de jeu là-dedans. Parce que j'oublie tout le temps que c'est des périodes de 5 minutes. Mais bref, on s'en va en troisième, c'est l'égalité. Il faut gagner contre les Nordiques, on peut pas les laisser gagner. Ou même un match nul, c'est pas acceptable. Oh, beau jeu! Oh! L'arrêt du gardien! Pas parce qu'on essaye pas, par exemple. Oh oh! Roi qui décidait qu'il l'a fait à côté de son filet. Arrêt là-dessus. Oh! Il a échappé, il a échappé. Passe dans l'enclave, intercepté cependant. Qui s'en va dans la zone, vite. On forecheck, on forecheck. Oh, arrêt du gardien avec un peu de style. Je pense qu'on va être dû pour un petit change-up. Allons-y avec le change-up. Ouais, comment? Oh, belle passe. Oh oui. Ah! Oh, l'extérieur du filet. Ah, gardien qui est sorti. Oh, ça avance des broches. Oh, bon contact. On est reparti. Je me fais tout le temps avoir par le gardien à chaque foutu fouet. Ouf! Cette ramassée là. 1-19. Toujours à la recherche du premier but. On évite quelques plaqués, mais maintenant il y a une limite. Hein. Puis là, je passe tout droit de la rondelle. Bravo. Comment? Rentre dans zone, rentre dans zone. Dans l'enclave, personne. Et c'est l'échappé des Nordiques. Ça a été de courte durée cependant. Seize secondes en troisième. Ah, de l'autre côté. La prolongation sera nécessaire entre les deux équipes québécoises. Pas vraiment là-dessus comme ça que je voulais que le match se déroule. Je voulais les péter 6-1, 7-1, mais. C'est plus serré. Ouch. Hi, ça j'aime pas ça. Ouais, comment là, t'es tout seul. Feinte de tir. En survivant. Ça marche pas pantoute. On recommence. Oh, belle passe. Très belle passe. Et compte! Mother Captain Kirk! Qui donne la victoire aux Canadiens en prolongation. Merci beaucoup.
Et pour clore l'épisode, un bon petit match contre les Penguins de Pittsburgh. À Montréal cette fois-ci. Mario Lemieux et Jagr qui sont en ville. Tenter de freiner les Penguins. On tente de passer entre les défenseurs, pas facile. Ça passe serré, mettons. On tourne le filet. Tout ça pour une passe ridicule. Oh, attention. Et c'est parti. Ah, c'est bloqué. Oh oh oh! C'est Conte Danfous qui réussit à mettre la touche finale dans un filet complètement abandonné par le gardien qui était parti checker en arrière de son but s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Arrêt du gardien. Ou dans l'enclave, un autre arrêt. On domine en début de match jusqu'à maintenant. Ah, c'est bloqué. Oh, oh, solide contact. Oh, la mitaine, s'il vous plaît. Gardien qui se ressaisit après le but accordé. L'autre côté, l'autre côté. Crotte, ça n'a pas fonctionné. Ouch. Oh oui. Oh, beau jeu. Mais les gardiens suivent bien aujourd'hui. Il faudrait peut-être que je change, par exemple. Ah, mauvais changement. Ouais, pis de plaquer, ça te tente pas, bon. Hey, c'était offside, ça. Oh, 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 si proche de mettre ça 2 à 0. Donc, c'est là-dessus que la première se termine. Pour une fois, je mène après 5 minutes de jeu. Maintenant, il faut essayer de garder cette avance-là. Dégage-moi ça au plus sacré. Et en plus, il vire en rond, lui. Il prend pas de shot à rien. Hein? Oh! C'est une chance que Roy l'a ramassé parce que le trou était là. Ouais, là, j'essaie de passer entre les defs. C'est pas facile. .252, notre avance qui tient toujours. Mais je prendrais bien un deuxième but. Peut-être que ça va se faire là. Nope. On oublie ce que j'ai dit. Oh, belle passe, on passe entre les joueurs. Ah! Ça fait légèrement accrocher. Juste assez pour pas que ça fonctionne. Et... Oh, les Penguins qui ont créé l'égalité. Je vais essayer de faire le coup du gardien qui décide de faire son inventaire en arrière du but. Je sais pas ce qu'il faisait là. Mais...
On retourne à la case départ, malheureusement. On va dégager, dégage, dégage, dégage. C'est parti. Oh, l'extérieur du filet. Ah, j'ai fait un changement, mais ça a mal viré. 36 secondes en deuxième. Ça sera l'impasse probablement en s'en allant en troisième période, à moins d'un revirement. Leçon numéro 1. Toujours se fermer à gueule avant que la période se termine pour éviter de jinxer sa propre équipe comme que je viens de faire là. Hein? Ce serait pas pire. Bon, fait que finalement on va perdre par un but pour débuter la troisième. Oh. En plus, c'est tout le temps les mêmes gaffes que je fais, je me donne pas. Bon, on a 5 minutes pour essayer de mettre ça 2-2. Come on. Ah, crotte. Ça n'a pas marché. Hors jeu! Ah, il touchait pas la rondelle surtout, hein. Sinon, vous allez exploser si vous y touchez. Ils sont tannants. La rondelle sort pas de la zone. Bon, 3 contre 0. Oui, tout ce que je fais, c'est ça. Bon. Ouais. Ça commence à se corser un peu les affaires. Là. Oh, quel jeu! Puis je rate le filet. Oh, j'ai tout fait sauf marquer. J'ai tout fait sauf la mettre dedans. Le match, je pense que c'est pas mal joué direct là. À moins que... Oh, ça fait deux fois! Deux fois! Que je passe près de marquer. Ah ouais, come on là. Ah, c'est même pas moi qui ai pris la rondelle. Bon, vous dit. La clé! Lâche pas la pression, lâche pas la pression. Non, pense que c'est pas mal game over, les amis. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, ça a l'air que... Ça a l'air que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Oh, je sais plus quoi dire. Manquer deux buts des heures quasiment. Un poteau. Je fais une gaffe qui donne le but de la victoire. Eh, que voulez-vous, c'est ça.
ne peut pas toutes les gagner. Mais bref, j'espère que cet épisode-là vous a diverti. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme j'ai mentionné, j'aimerais ça pogner le 150 cette année. Ça serait plaisant. Si vous êtes déjà abonné, un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode peut-être aussi intense que celui-ci. Oh, on va souhaiter pas tant que ça parce que mon cœur ne pourra pas le supporter. Blague à part, un gros merci de votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À plus!